Traditionnellement, le vignoble de la basse ville à La Chapelle-Lin a ouvert ses chais et sa table pour fêter le millésime nouveau du muscadet de l'endroit. C'est chez Gilbert Bossard que la fête se situait, le viticulteur du lieu qui veillait à ce que cette opération portes ouvertes fût une réussite comme sa récolte. Ces journées portes ouvertes, c'est tout d'abord et avant tout pour découvrir le nouveau millésime, le millésime 2009, qui est assez extraordinaire. On a cette année un très beau millésime, et traditionnellement, chaque année, au lendemain des vendanges, c'est-à-dire début décembre, quand les vins sont finis de fermenter, on découvre ensemble, entre amis et avec nos clients, le nouveau millésime. Ce que nous avons fait ce matin, et ce que nous allons faire cet après-midi et demain encore, un millésime riche, plein de promesses, et qui a vraiment plu aujourd'hui aux gens qui ont dégusté ce matin. Nous avons la chance, depuis bien des millésimes, d'avoir un très bon vin, très bon muscadet. Avons-nous commis des erreurs sur le plan de la communication? C'est très possible, c'est même probable. Nous n'avons pas le dynamisme suffisant pour nous permettre de percer, comme cela se devrait, au niveau de la vente. Nous avons pourtant des vins qui ont un créneau de vente bien défini. Nous sommes le vin apéritif, le vin gai, le vin jeune, le vin qui va avec le fruit de mer, mais aussi avec beaucoup d'autres plats, entre autres les viandes blanches, les fromages. Ce muscadet devrait être sur toutes les grandes tables à travers la France, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui encore. Nous avons beaucoup de travail à faire pour développer cette image du muscadet. Même si nous avons une bonne notoriété, nous n'avons pas l'image qui convient. Ça, c'est peut-être un petit peu notre faute. Peut-être ne faisons-nous pas ce qu'il faut pour rehausser cette image. Une centaine d'invités et d'habitués avaient répondu présents à cette journée portes ouvertes, devenue désormais un rendez-vous annuel fort prisé des amateurs de muscadet. Et ambiance assurée à la basse ville.